Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mané, Kanté. Si ça te gagne l'année, tu dis tout joué ça dans le même championnat. Forcément, ou t'as pensé c'est ou dans top 5 majeur en Europe. Yo. Surtout, première ligue là en Angleterre. Réalité à jodi, c'est que tout joué ça a joué dans le même championnat vrai. Mais c'est dans Saoudi Pro League là, dans le pays Arabie Saoudite. Pour qui ça, pays asiatique ça qui a environ 36 millions d'habitants, a dépensé tout l'argent ça. Est-ce que le projet est juste pour jouer un droit pour organiser mondial? Est-ce que le pas politique tout? Continent européen doit trembler? Qui rôle Cristiano Ronaldo dans le projet ça? Restez avec nous, nous allons regarder tout point ça ensemble. Bienvenue tout le monde, c'est Kevin Sperisma. Objectif vidéo, c'est expliquer en gros projet saoudien, en geste sportif et politique qui d'elle, et puis comment il a bouleversé l'ordre mondial. Depuis environ 8 à 9 mois, l'Arabie Saoudite est un pays qui a une plus grande attraction dans le monde du football. Et ce n'est pas pour la victoire qui a été faite dans le mondial 2022 contre l'Argentine, mais pour l'argent qu'il a dépensé, qui fait gros star sortir en Europe, venir dans le championnat. En plus, un pile joueur qui vient, nous te connaissons déjà. Non club saoudien, Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad, commencer à entrer dans la discussion football nous, soit dans les médias ou bien dans la discussion de la caille. Mais qui propose ça sorti? Dans l'année 2016, l'État saoudien, surtout Prince Héritier, Mohamed Ben Salman, MBS, lance un projet qui baptisait Vision 2030. Projet ça a pour ambition transformer l'Arabie Saoudite qui pratiquement une pétromonarchie. Tellement pays ça dépend de pétrole là. Qui c'est 31% PIB et 79% recettes d'exploitation. Pour sortir de l'indépendance, l'idée Ben Salman, c'est faire pays à une économie moderne, diversifiée, côté investi, c'est l'autre côté, qui a investi la caillou. Pendant 40 jours, dans l'année 2018, MBS visitait plusieurs pays dans le monde. Là-dedans, Égypte, États-Unis, France et Espagne. Après toute visite, ça, jeune investisseur, c'est une, encourage à investir, c'est deux. Parce que le problème pour pays, ça, il y a une vieille image dans l'international. Pour violation de droit, si tout, mesdames, yo, malgré que vous avez droit pour vous, vous avez toujours en bas l'autre mari ou bien papa. Yo. Après, vous avez l'autre événement, tant que l'un mort journaliste Jamal Khashoggi, dans le consulat saoudien qui est Istanbul. Kidnapping premier ministre libanais, Saad Hariri. Intervention militaire dans le pays Yémen. Par rapport avec tout fait ça, c'est là que le football va paraître. C'est là Ben Salman va entrer dans la dynamique soft power. Soft power défini par une capacité, yon l'État pour influencer et diriger les relations internationales dans ce sens. L'État en question applique une stratégie d'influence. Et souvent, le dictateur utilise cette stratégie ça pour établir la domination. Surtout, masquer la réalité qui passe la caillou. Et le domaine sport, c'est une plus grosse vitrine pour faire ça. Hitler, Mussolini, dictateur sud-américain dans les années 70, ont fait ça en pile. Même bon, la caillou, Duvalier, surtout François, te prend le football là comme vitrine pour établir domination. Patrice Dumont élaboré fait ça surtout dans la troisième à quatrième partie dans le livre là. Duvalier le football haïtien un contrôle totalitaire. Dans le cas Ben Salman avec espoir surtout football, Saoudi Pro League là, c'est pas le plus bon côté pour bailler l'autre image de pays là. Si avant, c'est violation droit monde, journaliste qui mourit, qui te on a parlé dans presse internationale là sous pays ça, jodia débutant de l'Arabie Saoudite, dans le moment c'est plus football qui monte dans tête tout. C'est Ronaldo, c'est Neymar. Et dans ce sens, il y a un peu d'investissement qui pourrait le faire pour l'Arabie Saoudite recevoir la Super Coupe d'Italie avec l'Espagne, Saoudi Tour, qui sont Kous Bekan et puis GP Formule. Pour le football, nous avons lu sur le site TV5 Monde. Depuis 2019, l'Arabie Saoudite fait partie de 10 pays qui dépensent plus l'argent dans le marché de transfert. Projet après le Grand Prix, dans l'année 2021, surtout l'Arabie Saoudite levé blocus les sous Qatar qui permettent de ouvrir la voie aérienne. À partir du moment ça, l'État saoudien a acheté Newcastle. Il y a un achat qui est possible grâce à un fonds d'investissement saoudien, PIF, qui gagne la donne environ 600 milliards de dollars. L'agence a pris le partage avec plusieurs clubs dans le championnat saoudien pour acheter joueurs. Le projet a pris l'accéléré après le mondial 2022. Les Cristiano Ronaldo signé dans l'équipe Al Nassr. Et puis dans le mois de juin 2023, Mohamed Ben Salman a annoncé 4 clubs saoudiens. Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr, Al Hilal, transformé en société et puis fait partie fonds investissement saoudien. En plus, 4 clubs, il y a l'autre club dans le championnat qui gagne l'argent dans le pour acheter joueurs. Toujours dans le cadre projet Vision 2030 qui gagne la donne, l'idée pour l'Arabie Saoudite à organiser mondial, soit 2030 ou bien 2034.
Dans vision 2030, nan, gen l'autre projet nous pas élaboré sous lui parce que li pas objectif vidéo a. Tant kou Neon yon cité futuriste, yon méga projet touristique dans ville Riyad, gen l'autre investissement k'ap fait dans l'autre sport tant kou box ak Formule 1. Kounya, en pile nan nous k'ap mande, jiski bon projet sa pral li. Li difficile pour nous répondre à exactitude à question ça parce que nous pas konn ki koub la pran. Gen en pile moun ki compare la Chine. Qui dit chinois yo te kon dépense l'argent comme ça. Soit pour montrer pour qui ça, pas de gros stack dans le niveau Ronaldo qui a l'autre bois, ou bien c'est un projet gros ventil appli. Ça pour nous comprendre, ça qui différencie le projet la Chine, c'est que depuis à la base, chinois ont mis en pile règles qui contraignent le football à développer plus, à quand pile l'autre star continue à venir, malgré que tu as pile l'argent. Tant que dans le championnat chinois, tu as une question de quota. Chaque club n'a pas plus passé 5 étrangers et seulement 3 là-dedans qui ont commencé un match. L'autre règle qui te gagne dans le championnat, ça, toute équipe te doit mettre au moins 2 joueurs qui en bas 23 l'année titulaire dans chaque match à jouer. Et puis en 2017, chinois ont pral mettre un plafond salarial qui empêche le club de dépenser Jean Ouvli. Toute règle ça nous dit là, pas gagné aujourd'hui dans Saudi Pro League là. Club ça a dépensé l'argent et même al bataille à club européen pour jouer. Est-ce que le continent européen doit inquiéter? Oui, parce que l'Europe la salie aujourd'hui dans le football, c'est parce que tu gagné pile l'argent qui dépensé. Si quantité l'argent et même plus qui investit dans le football européen, tu gagné en Amérique du Sud, joueur sud-américain, tu as prêté, et puis club sud-américain, tu as pris le bataille club en Europe pour reprendre joueur européen. Ligue des Champions, tu veillé chaque mardi, mercredi, 3h. Dans le monde parallèle, tu as eu Copa Libertadores, tu as veillé. Oui, en pile gros, c'est dans la fin de carrière, tu vini. Mais déjà présent, tu as influencé l'autre jeune dans le fitim. Et puis, il y a l'autre jeune équipe en Europe besoin, qui t'a Haïti. Milan Povitsavit, 28 ans, qui était dans l'Asie, équipe Juventus là ou bien Manchester United, tu as besoin par moment. Ruben Neves, Franck Kessier, Juventus perd la bataille dans le dernier moment. Ce n'est pas mes jeunes joueurs qui quittent l'Europe la bonheur et qui a joué dans la Saudi Pro League. Je dis, est-ce qu'un pile dans nous, pas plus regarder un Al-Nassr contre Al-Hilal? Au lieu par exemple, un Benfica Maccabi Haïfa dans la Ligue des Champions. Puis, gros compétition en Europe là. Dans 10 l'année, qui boit ça ou dit pour ligue là à pied, ça dépend de façon y a continuer dépenser. C'est ton plaisir pour nous te présenter au projet saoudien. Dis-nous dans commentaire, est-ce qu'on va gagner championnat ça saison 1? Est-ce qu'on pense championnat ça qu'a dépassé quelques championnats en Europe tant que Ligue 1? Qui te réponse pour nous? N'a croisé une prochaine fois.